ça, c'est un muraille. Pas encore écoulé. Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Oh. Et la nuit s'achèvera. Ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton âme. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Avec moi, ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Je sais en qui je crois-tu et mon aide, mon rédempteur. Je sais que tu es toujours là. Tu es fidèle, mon protecteur. Je sais en qui je crois-tu et mon aide, mon rédempteur. Je sais que tu es toujours là. Et je le crois, oui, tu le feras.
y a une chose qui est sûre, c'est que dans la vie, oui, il y a des douleurs, il y a des déceptions, il y a des gens qui vous déçoivent, il y a des circonstances. Mais je vais vous dire une chose. David a fait ce que nous avons besoin de tous faire. Il y a, dans toute cette histoire de 1 Samuel 30, il y a une clé. Cette clé, c'est une clé d'or. C'est une clé que tu dois toujours activer dans ta vie, qui te donnera toujours la victoire. C'est une clé qui va te faire surmonter toutes les épreuves. Amen. Et cette clé, elle se trouve dans ce verset là que nous venons de lire. Au verset 6, il est écrit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Vous devez comprendre que David ne pouvait plus s'appuyer sur les gens. Et il y a des temps dans la vie où tu ne peux pas t'appuyer sur des gens. Il y a des temps dans la vie où tu aimerais trouver de l'encouragement de la part des gens. Tu aimerais trouver du secours de la part des gens. Mais il n'y a plus de gens pour t'encourager. Alors quand il n'y a plus de gens pour t'encourager, il y a toujours quelqu'un qui est là et qui ne faillira pas. Et son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Yeshua. Son nom c'est Yahweh. David a repris courage. Il était en bas. Il était en bas. Alléluia. Il était en bas. Mais il est remonté. Il est remonté vite parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Vous savez ce que c'est la foi ? La foi, écoutez-moi, parce que j'ai prévu de commencer à enseigner sur la foi. Et j'avais un message, un autre message ce matin. Et juste avant que le culte ne commence, Dieu m'a conduit dans ce message sur Ziklag, alors que je n'ai pas du tout prévu de prêcher sur Ziklag. Mais ce n'est pas grave. Mais néanmoins, je parle sur la foi et je vais continuer à prêcher sur la foi. Parce que, mes amis, le fait de s'appuyer sur l'Éternel, ça s'appelle la foi. La foi, qu'est-ce que c'est avoir la foi ? La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. La foi, c'est quand tu n'as pas d'autre béquille, c'est quand tu n'as pas d'autre appui que de t'appuyer sur Dieu. Lorsque les médecins disent « ce n'est plus possible », qu'est-ce qu'il reste ? Dieu ! Lorsque les médecins disent « tu auras cette pathologie toute ta vie », tu n'as donc plus de béquille, tu n'as donc plus d'être humain, tu n'as donc plus de savoir humain, qu'est-ce qu'il te reste ? Dieu. Il te reste la parole de Dieu. La foi, elle commence. Et la foi, c'est quelque chose qui va toujours t'amener dans la victoire. L'amertume t'amènera dans la destruction. La peur t'amènera dans la destruction. Les paroles négatives t'amèneront dans la destruction. L'esprit d'échec t'amènera dans la destruction. La foi t'amènera dans la victoire. Quelle que soit ta situation n'est pas désespérée pour Dieu. Quel que soit ton cas, ton cas n'est pas intraitable pour Dieu. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas changer. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. La foi amènera toujours les gens dans la victoire. Parfois, la foi demande à quelqu'un de se mettre sur la parole de Dieu et pour que la foi se lève, peut-être ça va demander une semaine, peut-être ça va demander un mois, peut-être ça va demander 3 mois, peut-être ça va demander 10 mois. Je crois que dans l'histoire de Kenneth Hagin, cet homme qui est l'apôtre de la foi, qui a enseigné à notre génération la foi, qui avait une malformation cardiaque et une paralysie de la moitié de son corps, et je pense aussi une maladie de sang. La totale, 16 ans condamné à mort. Ok ? Donc on a la situation la plus impossible et la plus bloquée, paralysée, malformation de cœur, ne peut pas marcher, ne peut pas se lever, 16 ans, condamné. Condamné à mourir, pas à mourir dans 20 ans, à mourir maintenant. Parce que sa condition de cœur ne pouvait plus permettre sa vie. Cependant, il a pris la parole de Dieu et je pense que ça lui a pris 16 mois
16 mois avant que la foi se lève. La foi, ce n'est pas juste je parle un verset et j'ai la foi. La foi, c'est un processus. C'est un processus qui se construit en toi, fondé sur la parole de Dieu, et qui va t'amener à un moment donné à monter dans la dimension de la foi. Et quand tu montes dans la dimension de la foi, tu montes dans le miracle. Tu montes dans la dimension de Dieu et tu montes dans la dimension du miracle. La Bible nous dit que David, il était en bas. Ces gars, ils étaient en bas. Ils avaient tout perdu. Leur situation était impossible. Mais qu'est-ce que David a fait ? David a fait une chose qu'il avait l'habitude de faire. Montez un tout petit peu mon micro. David a fait une chose qu'il avait l'habitude de faire. Il était exercé. Il était un homme de foi. Il n'était pas en train d'apprendre la foi. Il avait l'habitude d'exercer sa foi. La Bible nous dit que lorsqu'il a vu, il voyait le lion arriver, n'est-ce pas ? Il courait au devant du lion. Pourquoi ? Parce que sa foi était bâtie. Lorsque l'ours arrivait, il courait au devant de l'ours. Il le déchirait entre ses mains. Pourquoi ? Parce que sa foi était bâtie. Lorsque Goliath est arrivé, il n'avait pas peur de Goliath parce que sa foi était déjà bâtie. Et David a couru vers Goliath parce qu'il avait déjà une foi. Et je veux te demander ce matin, est-ce que tu es en train de bâtir ta foi ? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ton incrédulité ? Est-ce que tu es en train de bâtir ta foi ? Ou est-ce que tu es en train de bâtir tes doutes ? Est-ce que tu es en train de bâtir ta foi ? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ta peur ? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ton amertume ? Ou est-ce que tu es en train de bâtir ton échec ? Tu es artisan de ton avenir. Dieu n'est pas tout puissant. Comme Satan n'est pas tout puissant, tu es maître de ta vie, c'est toi qui as les clés. Tu peux aller dans cette direction ou tu peux aller dans cette direction. Tu peux bâtir tes doutes ou tu peux bâtir ta foi. Tu peux parler la parole de Dieu ou tu peux parler la parole de doute. Tu peux parler ce que Dieu dit à ton sujet ou bien tu peux parler ce que le diable dit à ton sujet. Tu peux parler ce que Dieu dit à propos de ton avenir, de tes circonstances, de ton corps, de ta santé, ou bien tu peux parler ce que le diable dit à ton sujet. Tu comprends ? Lorsque David est arrivé à Ziklag, mes amis, il avait déjà une foi bâtie. Ah, il était en bas, ah, il était à terre, ah, le coup était rude, ah, ça faisait mal. Oui, il ne pouvait plus s'appuyer sur un homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible dit que David reprit courage. Voyez-vous, la foi va toujours vous amener du courage. L'incrédulité, l'amertume t'enlève ton courage. Tu perds courage. Certains d'entre vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre cœur, quand vous arrivez à l'église, c'est comme si vous perdez courage. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre cœur. Vous n'êtes pas dans la foi. Vous savez, la foi est agissante dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, et si tu as des combats, des divisions, des problèmes dans ton cœur, la foi ne peut jamais être agissante pour toi. Même dans Marc 11, 23, il est dit, si quelqu'un, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, qu'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et s'il a quelque chose dans son cœur contre quelqu'un, alléluia, s'il a quelque chose dans son cœur contre quelqu'un, qu'il aille vers la personne, qu'il règle la situation. Vous savez pourquoi ? Parce que sinon sa foi ne sera pas agissante. Tu peux confesser, 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 tu peux parler, parler, parler. La foi est agissante par l'amour. Or, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, la plus puissante de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Le moteur de la foi, c'est l'amour. Alléluia. Le carburant de la foi, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, à quoi te sert ta foi ? À ce que tu sois un airain qui retentisse ? À quoi te sert d'avoir une grande foi si tu n'as pas d'amour ? À quoi te sert de faire des exploits pour Dieu si tu n'as pas d'amour ? Si tu n'es pas capable de pardonner à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère, dans le naturel ou dans le spirituel. La foi
est agissante par l'amour. La foi est plus, l'amour est plus grand que la foi. C'est l'amour qui permet à la foi de fonctionner. Et donc, s'il n'y a pas l'amour, la foi ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que l'amour est plus grand que la foi. David n'a pas été amer contre ces hommes. Et pourtant, ces hommes l'ont blessé. Ces hommes se sont retournés contre lui, eux, dans l'amertume. Il n'a pas laissé l'amertume entrer dans son cœur. La Bible dit qu'il s'est appuyé sur le Seigneur. Et il a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Sa foi pouvait être active. Alléluia. Sa foi avait toute la liberté d'être active. Il n'y avait pas d'entrave sur sa foi. Je vais vous dire une chose, peuple de Dieu. S'il y a des gens à qui vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas être dans la foi. Vous pouvez penser être dans la foi, vous pouvez déclarer des versets de foi, mais la réalité, votre foi égale zéro. Dieu est un Dieu d'amour. Si nous ne marchons pas dans l'amour, Dieu ne va rien faire pour nous. Il dit, si tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ta sœur qui t'a blessé, comment est-ce que tu crois que ton Père céleste va pouvoir te pardonner? Il ne peut pas te pardonner si tu ne pardonnes pas les autres. Tu pardonnes les autres et ton Père te pardonne toi aussi tes offenses. Parce que toi aussi tu blesses les autres. Les autres te blessent et toi aussi tu blesses les autres. Et ça s'appelle vivre sur la terre. Et si tu veux plus de blessures dans ta vie, eh ben va au ciel. Vas-y maintenant si tu veux. Tu comprends? Mais la réalité, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Tu blesses les autres sans t'en rendre compte. Tu marches sur les pieds des autres sans t'en rendre compte. Et d'autres personnes marchent sur tes pieds sans t'en rendre compte. Donc tu dois pardonner à ton frère, à ta sœur. Que Dieu nous aide. Dites, Seigneur, aide-moi. Parce que sinon, ta foi, qui est une des choses les plus puissantes sur la terre, elle ne peut pas être activée. Elle ne peut pas être agissante. Mais David n'avait pas un problème. Il n'y avait pas de problème de manque d'amour dans son cœur. Il n'y avait rien qui bloquait. Il était un homme exercé dans la foi et dans l'amour. Et nous voyons sa relation avec Saül. Saül a voulu le tuer. Il a dit, je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Aucune amertume dans son cœur. Je ne mettrai pas la main sur le oint de l'Éternel. Même s'il m'offense, je le bénirai. Même s'il parle en mal de moi, je l'élèverai. Même s'il est contre moi, je dirai que c'est lui le roi, que c'est lui que Dieu a appelé. Je ne me mettrai pas sur son chemin. Ce n'est pas ma main qui le tuera. Ce n'est pas ma main qui le maudira. Ce n'est pas ma main qui l'arrêtera. Si quelqu'un doit l'arrêter, Dieu l'arrêtera. Mais ce ne sera pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Dieu ne t'a pas appelé à faire justice toi-même. Dieu est capable de se faire justice lui-même. Dieu t'a appelé à bénir tes ennemis. Tant que l'Église de Jésus-Christ, tant que vous, ici à Paris, Saint Chrétien, vous ne serez pas capable de bénir vos ennemis, il n'y aura pas de maturité spirituelle. Il n'y aura pas de maturité spirituelle. Alléluia. Tant qu'il y a des offenses ou des blessures dans l'Église, tant qu'il y a des gens qui sont frustrés et qui sont amers, je ne parle pas des nouveaux dans le Seigneur, je parle des anciens. Je ne parle pas des nouveaux dans le Seigneur, je parle des anciens. Les nouveaux sont en train d'apprendre l'Évangile et ils n'ont pas d'amertume, ils n'ont pas de problème. Je parle des anciens. Je dis, tant qu'il n'y a pas des choses qui ne sont pas lavées dans les cœurs, il n'y aura pas de maturité. Vous pouvez être ancien, vous pouvez avoir 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de christianisme, zéro. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Zéro. Bébé spirituel. 30 ans dans les couches. 30 ans avec la teutote. 30 ans au biberon. 30 ans, je ne peux pas marcher moi-même. 30 ans, il faut que quelqu'un me porte. 30 ans, où est la poussette? La maturité spirituelle, c'est d'obéir à la parole de Dieu sans se poser de questions. La maturité spirituelle, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire sans discuter. Ça, c'est la maturité spirituelle. Quand il y a la maturité spirituelle, il y a la puissance. Quand il y a la maturité spirituelle, il y a les miracles. Quand il y a la maturité spirituelle, il y a la foi. Et la foi est agissante. La foi est agissante par l'amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à mon église ce matin? Thank you, Jesus. Alléluia. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses.
L'Église appartient à Christ. Elle appartient pas à toi, elle appartient pas à moi. Moi, j'en suis le gestionnaire devant Dieu. Mais l'Église, elle appartient à Christ. Dieu sait ce qu'il y a et Dieu connaît toutes choses. Amen. Ziklag. Ziklag. David a repris courage. Moi, je te le dis ce matin, reprends courage. Allez, vas-y, reprends courage. Sept fois le juste tombe, sept fois Dieu le relève. Tu es peut-être tombé, tu as encore fait les mêmes erreurs, tu as encore eu les mêmes travers. Sept fois le juste tombe, sept fois Dieu le relève. Ok, reprends courage. Allez, reprends courage. Tu es peut-être tombé, tu as encore fait les mêmes erreurs, tu es peut-être dans des sentiments qui ne sont pas ceux de Dieu, tu as peut-être échoué, tu as peut-être parlé des paroles négatives. Allez, reprends courage maintenant, reprends courage. Reprends courage en t'appuyant sur le Seigneur. Vous savez, pour nous, s'appuyer sur le Seigneur, bien sûr, nous ne vivons pas au temps de Jésus. Les disciples, ils ont marché avec Jésus. Nous marchons avec la parole. S'appuyer sur le Seigneur, c'est s'appuyer sur sa parole. Ça s'appelle pour certains la Sainte Bible, mais ça s'appelle pour d'autres Jésus-Christ. Je marche avec Jésus-Christ. Je visite Jésus-Christ. Je suis en communion avec Jésus-Christ. Or, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole a habité parmi nous. Alléluia. Pleine de grâce et de vérité. Où est Jésus ? Là. Où est Jésus ? Là. David reprit courage en s'appuyant sur le Seigneur. Comment est-ce que tu vas reprendre courage ? En t'appuyant sur la parole. En t'appuyant sur la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation ? Dieu dit, tu veux savoir ce que Dieu dit de toi ? Tu veux savoir ce que Dieu dit de ta situation ? Alléluia. Je vais t'en donner un petit échantillon, d'accord ? Est-ce que tu veux ? Alléluia. Dieu dit, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Éphésiens 1, 7, il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Romains 8, 31 dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Ça, c'est la parole. C'est Jésus qui parle. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu peux reprendre courage simplement en prenant un verset. Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Hey, ton frère, ta sœur n'est pas ton adversaire. Satan est ton adversaire. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu comprends ? Tu comprends ? C'est comme ça que tu reprends appui. Tu reprends courage en t'appuyant. Tu dois t'appuyer de toute ta force. Tu dois y mettre toute ta force. Tu dois t'appuyer sur la parole. Je vais vous dire une chose. Il y a des situations dans ma vie où parfois j'ai besoin de m'appuyer sur la parole 3 fois par jour. Parce qu'une fois par jour, le matin, avant de quitter la maison, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de m'appuyer le matin sur la parole. Mais j'ai besoin de m'appuyer le midi sur la parole. Et j'ai besoin de m'appuyer le soir sur la parole. Et parfois, avant de me coucher, j'ai encore besoin de m'appuyer sur sa parole. Jusqu'à ce que sa parole, elle descende dans mon cœur. Parce que juste une petite vitamine le matin, un petit médicament le matin ne fait pas le job. J'ai besoin d'un vrai traitement pour traiter ma peur, pour traiter mes angoisses, pour traiter mon amertume, pour traiter mes doutes, pour traiter mes craintes, pour traiter mes faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que dit la parole ? Alléluia. Romains 8, 1.
il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que dit la parole? Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice. Alors bannis l'inquiétude. Alléluia. Car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça dans cette situation Covid. Appuyez-vous sur la parole. Appuyez-vous sur le Seigneur. Alléluia. Je vais le rappeler pour tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous suivent. Peut-être tous ceux qui ne sont pas encore sortis de leur maison et qui ont besoin encore et surtout de s'appuyer sur la parole. Ésaïe 54, 14. Alléluia. Tu seras affermi par la justice. C'est la justice de Dieu, ok? Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu dois t'appuyer sur la parole. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Je te le dis, tu n'as rien à craindre. Je te le dis, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire. Nous le faisons. Mais nous bannissons l'inquiétude, car nous n'avons rien à craindre. Et nous nous appuyons sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit, je vais retourner dans 1 Samuel 30. Je vais terminer dans un instant. La Bible nous dit, alléluia, que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur, apportez-moi donc l'éphod. David se tourne directement vers Dieu. Il va directement vers Dieu et il va lui poser la question. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit. Il lui dit, David, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et moi je vous le dis ce matin, poursuis dans le nom de Jésus. Ne lâche pas, n'abandonne pas, car tu atteindras et tu seras délivré. Tu délivreras tes bien-aimés, tu délivreras ta famille, tu seras le Joseph de ta famille. Dieu va agir au travers de toi. N'abandonne pas, n'abandonne pas, ne lâche pas prise, ne laisse pas l'ennemi te détruire avant que le grand plan de Dieu ne s'accomplisse. Dans la situation de David, comme je vous l'ai dit, c'était la dernière plus grande épreuve que David allait vivre avant que le plan de Dieu ne s'accomplisse. Un chapitre plus tard, Saül est à la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Saül a rendez-vous avec la mort. Et là, Saül, sans que David n'y mette ses mains, Saül va tomber sous l'épée et il va mourir. Et donc, son ennemi, son grand ennemi, que David n'a jamais considéré comme un ennemi, mais qui, lui, s'est positionné véritablement comme un ennemi, eh bien, ça allait être la fin de Saül. Et ça allait être le début de la vie et du plan de Dieu sur la vie de David. Saül mort, le peuple de Dieu se tourne vers David et dit, David, c'est toi que l'Éternel a oint. C'est toi qui dois être notre roi. David n'a même pas, vous savez, David n'a même pas cherché à dire, ok, c'est moi le roi, vous savez. Vous savez, quand vous êtes appelé par Dieu, Dieu vous met en place. Il n'y a pas à jouer des coudes. Il n'y a pas à s'autoproclamer. Il n'y a pas à faire son chemin et à se justifier. Quand vous êtes appelé par Dieu, Dieu vous met en place au temps, au moment et à la façon de Dieu. Et si ce n'est pas à la façon de Dieu, ce n'est pas Dieu. Si pour être appelé par Dieu, il faut que tu écrases d'autres personnes, il faut que tu abattes des gens sur ton chemin, il faut que tu impressionnes les autres, il faut que tu exerces un pouvoir, une domination, il faut que tu fasses ton chemin, il faut que tu ailles par des chemins de trahison et d'infidélité, bah excuse-moi, ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin de Dieu. C'est pourquoi je vous ai enseigné sur la loyauté et la déloyauté. Tu ne peux pas obtenir les choses de Dieu par déloyauté. Tu peux obtenir les choses de Dieu que par loyauté. Tu dois être loyal. Tu dois être loyal envers les gens qui sont au-dessus de toi. Tu dois être loyal envers les gens qui t'ont enseigné la parole de Dieu. Tu dois être loyal envers les gens qui t'ont béni, qui ont prié pour toi. Tu dois être loyal envers ton père, ta mère, dans le naturel et dans le spirituel. Tu dois être loyal. C'est pour ça que
J'ai enseigné 3 messages sur la loyauté, hein, ok? Mais je vais vous dire, je veux vraiment, et je prie dans le nom de Jésus, pas faire une promesse, mais je prie que j'enseigne tous les mois cette église sur la loyauté. Une fois, tous les mois que j'enseigne cette église sur la loyauté. Parce que l'ennemi fait trop de ravages et de destruction par la déloyauté. L'ennemi fait du mal à l'œuvre de Dieu par la déloyauté. Donc c'est très important de traiter ce problème et vraiment que les gens comprennent ce que c'est la loyauté et la déloyauté. Je ferme la parenthèse. Amen. Je crois dans le nom de Jésus que Dieu te parle ce matin. Il faut que tu revêtes l'esprit de foi. La foi, comment est-ce que tu vas l'avoir? Ça, c'est tout un autre message. Et je le prêcherai bientôt. Comment est-ce que tu vas avoir la foi? Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la parole. La foi est reliée à la parole de Dieu. Amen. Donc, ce message ce matin de Tsiklag, il vient pour t'encourager. Dans les circonstances de ta vie, peut-être Dieu est en train de te parler de choses que tu vis aujourd'hui, ou peut-être des choses qui sont devant toi, ou peut-être des choses qui sont derrière toi et que tu dois apprendre à gérer maintenant. Peu importe, je ne sais pas. Mais cette parole, elle est pour toi ce matin. Alléluia. Il y a des Tsiklag, oui, mais à Tsiklag, tu peux libérer l'esprit de foi. Tu peux reprendre courage dans le Seigneur. Tu peux t'appuyer sur lui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas poursuivre, tu vas dépasser. Tu vas dépasser les mensonges de l'ennemi, tu vas dépasser les obstacles, tu vas dépasser les limitations, tu vas dépasser et tu vas récupérer. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu vas récupérer dans le nom de Jésus. Que tout le monde élève ses mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Dites ce matin, je poursuis, je dépasse et je récupère. Je poursuis, je dépasse et je récupère. Au nom de Jésus, je poursuis. Je dépasse et je récupère. Au nom de Jésus, je poursuis, je dépasse et je récupère. Je m'appuie sur le Seigneur. Je reprends courage ce matin et je m'appuie sur le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.